grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00-337-80-860-057 00-337-62-402-484 Que Dieu vous bénisse. Tu as quelqu'un, tu as béni. Tous les enfants, tout à l'heure, le pasteur, l'équipe des pasteurs vont les délivrer. Tous ceux qui sont enfants, la jeune fille, les trois bénis. Tous les autres, on les prend tout à l'heure, ils vont tous les délivrer. Tout c'est ça. Alors, mais quand ils ont dit, on l'a attrapé dans une église. Et vous êtes, c'est vous qui l'avez envoyé. Pourquoi? Why do you bring her? Vous voulez quoi? Because she's a witch. Vous savez qu'on fait passer les gens aux aveux, on les fait parler. You know that? Make people confess themselves. Je vous demande, pas les mêmes vraies conditions. Oui. Vous connaissez comment on travaille ici? You know how we work. C'est ce qu'on va essayer de faire. Qui vous a été bénissé? C'est la femme de son papa. Et puis, elle t'a pas dit comment on travaille. Parce que quand tu envoies quelqu'un, que quelqu'un te dit va quelque part, tu cherches à savoir comment les personnes travaillent. Ils ne t'ont pas dit comment on fait. Oui. Et puis, toi, tu es ici, là. Tu ne vois pas notre manière de travailler. Ah, c'est ce que je veux que tu fasses ressortir. Si, laisse-la, chacun savoir. C'est la petite fille. Elle est près de ça. Vous êtes sorcière? Tu es sorcière? C'est ta maman qui t'a envoyé ici? Vous êtes d'accord qu'on arrache des aveux? Mais toi, c'est comme ça nous faisons la délivrance. Donc, on t'écoute. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gay Karel. J'ai été initiée par ma grand-mère. Was cooking at night, she gave me food. Oui, ça tu as déjà mangé. Et après, qu'est-ce qu'elle a, elle a fait? Elle m'a dit de venir aussi. Ok. She want me to elle m'a dit d'envoyer quelqu'un. D'envoyer quelqu'un. To give to moi. Le jour où elle met sa propre soeur. Ma daughter. Ça s'appelle Gisèle. Comme Gisèle. Et tu envoies qui encore? Après, je veux ses trois soeurs. Comment tu fais pour tuer les gens? How do you manage to kill them? Et comment tu fais? Je prends son âme. Donc, tu fais comment pour te transformer en fourmi? Oui, mais justement, qu'est-ce que tu fais? Pour devenir fourmi, tu fais comment? Je me transforme. Comment? I change. Tu dis quoi? Tu fais quoi? What do you say? What do you do to become a fourmi? Je vais les incantations. En disant quoi? Tu dis quoi? What do you say? Je vais aller chercher la tente là-bas. Donc maintenant quand je dis ça. Est-ce que vous êtes convaincu qu'elle est sorcière? Je suis convaincue qu'elle est sorcière.
pouvez prendre l'enfant. Tu t'es convaincu. Qu'est-ce que t'a amené à croire qu'elle est sorcière? Parce que dans mon église, le jour l'attrapée. Elle a confessé les deux. J'étais en Saint-Lycée là. J'étais beaucoup attaquée, j'étais malade. J'avais tout le temps mal au ventre. Quand je vais au commerce, quand je vends, je ne vois rien. Elle a confessé que c'est elle qui me disait ça. She confessed that she was responsible for that. Confessé que c'est elle qui me rendait malade. Elle vole mon argent. She stole my money. La femme est à quel âge? Elle a 2 ans et demi. Et donc, tout ce temps-là, vous n'avez pas pu la délivrer? Il y a un prophète, le même prophète prie pour elle chaque dimanche. Il m'a dit que ça va, mais l'esprit ne va pas un coup. Et ça commence à aller. Il dit quoi? Il m'a dit que ça commence à aller. Il dit l'esprit ne va pas un coup. Ça va pas un coup. Qu'est-ce que l'esprit ne va pas un coup? L'esprit de la sorcellerie. Ça va pas un coup? C'est ce qu'il m'a dit. Hein? Ok, merci. Donne le micro. Give her the mic. Et donc, comment tu as broqué la marchandise? How did you start? Oui, bien, vous voyez la chaussure. Je ne prenais pas. Oui. Et c'était un gros dans mes pieds. Donc, je mets ça dans la confrérie. On a parlé là. C'est qu'elle m'a envoyé l'année prochaine. On a bloqué. Donc, c'est qu'elle m'a envoyé. C'est passé par le port. Maintenant, on a bloqué. Mais comment vous allez arriver à bloquer la marchandise que vous envoyez à la marchandise? Le monsieur qui devait envoyer, lui qui était dans le bateau, qui devait envoyer les jeunes, on est rentré dans le lit. Et là, il a laissé tout, il est allé là-bas. Donc tout est resté là-bas, il n'a pas pu envoyer. Maintenant, c'est ce qu'elle a. Comment toi tu es ici en Côte d'Ivoire et tu as pu détecter quelqu'un qui est en Italie? C'est ça l'Italie? Oui. Et puis tu es allé rentrer en cette personne, tu as fait comment? C'est les choses qu'on veut savoir. Je suis allé là-bas. Comment tu t'as rangé? Le monsieur a volé d'abord. Hein? Le monsieur a volé. Oui, mais est-ce que tu connaissais le monsieur? Did you know the person? Oui, je le connaissais. Tu le connaissais comment? Physiquement? How did you know? Pas sa photo. Please. Mais où tu as eu la photo? Picture. How did you get the picture? Ah, elle a dit voici la maman. Oui. Et puis tu as pris la photo. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à la photo? J'ai pris la photo, j'ai envoyé ça dans la confrérie. J'ai pris la photo. J'ai mis un miroir devant moi. Ok, donc tu as pris la photo. Oui. Tu as mis un miroir. Vous avez un miroir mystique. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait au miroir? Quand j'ai pris le miroir, j'ai mis la photo là-dessus. Tu as mis la photo sur le miroir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti. Ah, elle est sortie comme dans l'écran. Oui. Dans l'écran. Oui. Et tu le voyais. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Ah, donc à partir comme un GPS. Donc quand tu as vu. Elle a mis la photo, sa photo de monsieur, oui, sur le miroir mystique. Tu l'as vu au travers du miroir, c'est-à-dire comme un écran. Oui. Et tu l'as vu en Italie où il habitait. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé là-bas, je suis envolé. Tu t'es envolé? Oui. Et tu es allé là-bas? Oui. Et tu as fait quoi? Je suis allé là-bas et je suis rentré dans le pays. Ok, donc quand tu es parti, qu'est-ce que tu as fait? Je suis rentré en lui. Oui. Comment tu t'arranges à rentrer une personne? Quand j'ai envoyé sa photo là-bas. Tu l'as piqué, tu es rentré en lui. Oui. Qu'est-ce que tu cherchais quand tu rentres en lui? Tu as fait qu'il n'a pas envoyé les affaires. Il est barré. Tu as fait quoi d'autre? Maintenant, je pouvais gâter l'argent de ma mère, je connais son argent. Ta maman? Oui. Comment tu gâtais son argent? Quand il me donne l'argent, il prend ça, il gâte. Je te donne l'argent pour aller manger. He gave you. Et puis tu gardes son argent. Oui. La propre mère. Non, mais comment tu trouvais ça? Comment tu trouves ça? Tu t'apprends, mais te donne de l'argent pour aller manger. Et toi, tu prends la peine de déplacer cet argent. Tu trouves ça comment? Tu take it to the sport. C'est sans pitié. Oui. Mais est-ce que ta maman. Is, il y a quand même des moments de lucidité, tu peux comprendre que c'est ta mère. Tu aimes ta mère? Ta mère souffre. She's suffering. Ta maman, elle souffre. Your mother is suffering. Qu'est-ce que tu as gâché? Ma pause. Tu as gâté quoi? Son père est où?
C'est ton truc qui ont dit de venir ici. Ils sont restés. C'est lui, sa femme. Elle est en Italie. Lui, il croit à rien. Et quand il est quitté là-bas, ils sont partis dans un autre église, ils sont sortis là-bas. Lui, c'est fâché. Elle ne croit pas. C'est toi qui as fait ça? Elle a fait quoi? Elle a fait des tests sur quoi? Je ne veux pas y croire. Là-bas, j'ai chez femme. Maintenant, quand ils ont été là, ils sont âgés. Là, ma grand m'a fait là-bas, j'ai chez femme. Elle a mis un esprit de femme de santé. Ma fille a dit l'infâme. Cherche. Comment elle a mis l'esprit? Elle a mis l'esprit. Elle a tout fait. C'est seul. Donc c'est ça. Comme lui, il ne peut pas. Son esprit passe. C'est ça. Elle a mis l'esprit de femme. Ça va la bondage. Maintenant, moi, il a bloqué son argent. Comment tu as bloqué son argent? La même chose, tu restes sa photo. Est-ce que toi tu l'as une fois dit, papa, je suis sur Chira, est-ce qu'il a fait? Il m'a demandé, je lui ai dit. Et puis il a dit quoi? Il n'a rien dit, il n'a pas parlé. Il n'a pas encore. Tu ne croyais pas? Donc vous l'avez dit ici. Tu as fait quoi d'autre? Tu as tué combien de personnes de plus? Trois personnes. Les trois hommes m'ont donné. Et qu'est-ce que tu as gâché? J'ai gâché la vie de ma mère, ma marraine, et mon père. Quels sont les gens que tu as attachés? C'est qui? Elle s'appelle Dominique. Elle est où? Elle est à Abidjan. Tante quoi? Paternelle, maternelle? Paternelle. C'est pour faire quoi? Ma grand-mère avait dit qu'elle allait la programmer. Quand? Mais elle n'a pas dit qu'elle allait la programmer. Donc on l'a gâché. C'est une erreur. Vous ne pouvez pas attacher quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas la date. Ça, c'est déjà pas vrai. Si vous avez attaché quelqu'un, c'est que vous avez la date. C'est quand vous voulez la tuer. Et ça, c'est ce système-là, nous mettons ça ici. Parce que quand on dit on a programmé, c'est qu'il y a déjà des dates. C'est qu'on attrape, pas quoi attraper, qu'il n'y a pas de dates. Le programme, j'ai dit. Pourquoi tu dis. Nous, on est experts dedans. Nous éclairons les gens. Parce que nous, on est doués dedans. Si on t'a attrapé, programmé, il y a date. Voilà, la date. Mais pourquoi tu ne voulais pas dire tellement simple, tu ne veux pas parler? Or, pour nous, ce qui nous intéresse, les victimes, ceux qu'ils ont programmé, il faut qu'on les délivre. Parce qu'on prononce une parole pour que la déprogrammation soit faite. Mais c'est une question de programmation. Donc, tu ne voulais pas qu'elle soit délivrée? Mais pourquoi tu ne dis pas? Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Now, what do you want? I want to be delivered. Pourquoi? Why? Because of the witch. Tu veux qu'elle soit délivrée? You want her to be delivered? Il y a comme ça, cela, rien connaît. Ça va? Comment t'appelles? Comment t'appelles? De toute façon, tu vois ici que tu parles beaucoup. Je vais prier pour toi. Donne l'enfant quelqu'un. Donne l'enfant quelqu'un. Je vais prier pour maman, hein. Va chez maman. Va. Je vais prier pour maman. Ok. Je prie que la puissance de Dieu se manifeste. Comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton nom. Hein? Ouais. Tu es ministère. Je veux te dire quelque chose. Je suis en train de travailler sur ton dossier. Okay? Mais en même temps, l'esprit de la sorcellerie t'attaque. Okay.
Il y a un homme, mais je vois deux autres femmes, trois personnes autour qui veulent te nuire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'esprit du diable qui te contrôle. Sinon, Dieu t'appelle un ministère. Il va t'utiliser, il va te bénir. Mon hic, c'est que si on te laisse partir, tu vas devenir folle. Parce qu'il n'y a pas de choses, mais la balle est dans ton camp. On ne te maintient pas ici parce qu'il faut te maintenir. Mais on a besoin de faire un travail. Parce que ce qui est sur toi est trop grave. What is on you is serious. Souvent quand vous venez ici, c'est pas parce qu'on a envie de vous maintenir. Mais on aimerait que vos problèmes prennent. Okay. Et il y a des situations qui ne se ressemblent pas. Donc ça nécessite des combats. Pour qu'on puisse te faire sortir d'une situation. Parce que si on ne t'a pas fait sortir de là, la révélation que Dieu me donne, si c'est comme vous vous confiez à quelqu'un, vous avez prié jusqu'à vous dites, désormais, prophète Crasso, je viens pour que tu m'aides. Nous, nous transmettons le dossier à Dieu. La manière de gérer, c'est Dieu qui nous donne ça. La suite. C'est en cela que nous sommes des guides. Sinon, Dieu va t'utiliser. Beaucoup. Dans le domaine de délivrance, dans le domaine de beaucoup de choses, tu vas avoir beaucoup de choses. Mais le diable est en train de t'emmerder. Et si on ne t'aide pas, si tu pars, c'est fini. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Moi, je suis prêt à t'aider. Voilà. Parce que je sens que tu es en danger. Et je le sens. Au fur et à mesure que je prie pour toi, je sens que tu es en danger. Je suis prêt à t'aider. Nous, on va assurer ton séjour à Dibo. C'est-à-dire, on a des résidences. Peut-être que tu dors ici, mais on a des résidences qui sont comme mieux qu'ici. Ça va dépendre de toi, je ne t'oblige pas. Si tu veux, on va aménager la résidence et tout va te permettre d'avoir un bon séjour. Là-bas, il y a un salon, il y a une télé, il y a tout là-bas. Moi, je prends ça en compte gratuitement. Si tu veux, moi-même, je mets de l'argent pour t'aider. Tout ce que tu veux manger, tu vas te faire manger gratuitement. Moi, je pense à toi. Parce que j'ai été convaincu de t'aider. Je sais ce que Dieu m'a dit. Voilà, donc voici un peu le retour de ce que Dieu m'a dit. Après les 10 jours, eux-mêmes, ils vont te demander pardon. Je t'assure. La puissance de Dieu. Lâche! Release him. Lâche! Lâche! Release him. Sors! Out! Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Tu vas être libéré. Release him. Oh, c'est cette fille-là qui va bien s'occuper de toi. Elle a la détruit. Mais nous allons l'arracher entre la main du diable. Amen. Et cette fille-là, elle s'occupera de toi. Je vois un blanc dans sa vie qu'elle va épouser. Et je vois un allemand qu'elle va épouser. Dans son avenir, j'ai un blanc qu'elle va épouser. Et c'est une fille qui aura beaucoup d'argent. Elle s'occupera de toi. C'est ce que Dieu me dit. Après la délivrance, la bambrée. On l'a attrapé bien. Le diable, il est très rusé. Les bonnes choses, il aime bien gâter ça. Il aime bien gâter les bonnes choses. Il colle une identité à cette personne et puis après ça, mais dans son avenir, elle a un avenir glorieux. Come! Sors! Out. Ici, on ne fait pas sortir les démons doucement, pas à pas. Ils sortent le même jour. Tout est qui il va nous demander, il veut sortir quand il veut. Pourquoi? Est-ce que lui, il a le choix? Does he have the choice? Écoutez, ne négligez pas le nom de Jésus.
Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. C'est ce qu'il dit. On ne joue pas avec ce nom. Ce nom est tellement puissant. Quand il est prononcé, les choses, les miracles s'opèrent. Tu as compris, je vais t'aider. Hein? Tu es d'accord? On va t'aider, je vais t'aider. Moi, quand je suis convaincu, là, tu ne peux pas m'arrêter. C'est ça? C'est-à-dire, je peux prendre le dossier, je te regarde. Mais le jour où Dieu me parle face à face, pour dire le dossier là, c'est spécial, prends ça. Je te mets au beurre. Hein? C'est mon patron qui m'a parlé, il fait comment? C'est mon patron, il fait comment? Ah, si tu joues un patron, va te chicoter. Fais! Fais! Tu vas faire un jour de délivrance comme ça. Hein? Tu vas délivrer les gens comme ça. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Et tes ennemis auront honte. Ils vont avoir tous diarrhée. Nous, on appelle ça Toto. Nous, on appelle ça Toto. Faire. Allez. Vous avez compris, le secrétariat vous a mélangé après. Hein? Et puis d'ici, si elle veut bien, on va commencer le secours. Vous a mélangé le chambre là-bas. Vous pouvez venir voir votre papa que je suis. Je vais faire vous aider. On va vous aider dans le combat et puis le diable va vous lâcher. Ma fille, tu as guéri du cancer. C'est fini. On a guéri le cancer. C'est fini au nom de Jésus. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Allez. Oh. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. J'ai beaucoup de compassion quand je vois les enfants dans la souffrance. Quand j'ai vu la photo, la vidéo d'Emmanuel, sa petite soeur, hier nuit, j'ai coulé les larmes. Ah non, les enfants. Il y a un amour terrible envers les enfants. Il faut les protéger. Il faut les protéger. Quand je vois le petit qui est quand il dit à son papa, mais Dieu a guéri Emmanuel, amen. C'est une question de quelques jours seulement. Et le pouvoir, le puissant témoignage. Vous avez des difficultés, venez, nous allons vous aider. Ça, c'est vraiment important. La puissance de Dieu. Nous sommes en train de nous organiser pour que, à partir de février prochain, au niveau des barreaux de communication, on puisse avoir une agence pour vous chercher du travail. C'est-à-dire, vous avez des métiers, vous envoyez vos CV, nous, on est chargé de vous trouver des emplois. Ça. Nous sommes dans les réfléchir. L'église va vous aider sur tous les plans. Que ce soit sur le plan spirituel. Ce soit que le barreau de communication, c'est la plupart. Ceux qui sont venus ici, que j'ai mis dans cette entreprise. Il faut aider les gens. Aide les gens que de les détruire. Il faut mieux les aider que de les détruire. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te délivre. Lâche-la. Lâche-la! Au nom de Jésus. Jesus name. Si elle t'envoie un peu d'argent dans le futur, vous m'envoyez au Seigneur contre l'église. Hein? Amen. Amen. Fire! Fire! Bientôt, on va construire l'église de 2000 places ici à Tudé. Amen. 10,000 places, 10,000 places, vous serez à l'aise. Très bientôt. Amen. Opération construction d'église. Nous allons quitter ici dans un bon secteur. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Feu. Fire. Consume. Hey. Feu. Fire. Consume tes œuvres. Destroy your actions. La puissance de Dieu. Power. Consume. Destroy tes œuvres. Your actions. La puissance de Dieu. Power of God. Consume. Destroy tes œuvres. Your actions. Dans ce corps. In this body. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Feu. Feu. Tu vas partir. You go. De suite. Right now. Tu pars. You go. Maintenant. Right now. Va-t'en. You go. Va-t'en. Out. Va. Out. Va. Out. Sors. Out. Sodel. Come out from it. Maintenant. Right now. Elle est délivrée. Celui-là. La peau. Yé, go, go.
wani nunaka la kousio. Mate uo, ye ye toto wale nunaka la kousio. Eliye la kousia ziwa au. La kousia ziwa au. Eliye la kousia le ziwa au. L'affection de mère et l'affection d'enfant envers sa mère. Et que tout ce que le diable avait détruit dans ton cœur, Dieu le ramène. Et que tu aies l'amour de ta mère et de la respecter. Et ce que Dieu, le diable, avait aussi détruit dans le cœur de sa mère, la peur, la crainte, que cela soit brisé. Que Dieu établisse sa paix dans vos relations. Afin que ce qui a été détruit dans ta vie, que Dieu te le redore et te le restitue. Et la paix qui est dans votre vie. Allez dans la paix du Seigneur. Ziliwa, 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 ziliwa. We all stand up. J'ai demandé au pasteur, I asked all the pastors, de prier pour tout ça. To pray. J'avais vu une vieille tout à l'heure. Elle dit quoi? Vous êtes venu avec elle pourquoi? Why did you come with her? Levez les mains. Nous allons prier. The hands up. Que la puissante main the powerful hand de Dieu of God vous bénisse. Bless. In the purple, where did you come from? Oui. Libreville. Hein? From Libreville. Tu es ici pour quoi? Why are you here? Envoie ma fille. Je trouve pas trop le sorcellerie sur ton visage. Depuis je tourne ta tête comme chat. Your head is going. La table est dans la sorcellerie. Madame, quittez-le ranger, mettez-vous à côté. Mettez-vous à côté. Depuis ça me pipe. Je sens les pipes. Je sens que ma paix me dit non. Si je te laisse, c'est pas bon. Levez les mains. Your hands up. La dernière main à la sorcellerie. Levez les mains. Your hands up. Je ne pouvais pas laisser ça. Quand j'ai voulu prier, le Seigneur dit, la voici. Elle est sorcière. Jesus. Il faut que je ne passe sous sa veuve. C'est pas de ma faute. Le don qui est à moi, là, c'est comme ça, ça est. Hein, madame? Ne pouvez pas prendre ça en mal parce que j'ai été soigné. De la sorcellerie. J'ai été soigné. Je veux tourner le Seigneur. Ça me fatigue. Pour moi, ça me fatigue. Ma tête, c'est comme migraine. C'est fort dans ma tête. Je dis, ah, si ça, je lâche. Je dis pas. Moi, mais ça me crée les problèmes toute la semaine. Parce que je connais ça. Levez les mains. J'ai pris. I pray que ceux qui vous en veulent, that those ceux qui sont contre vous, against, qui cherchent à vous nuire,
en sorcellerie. Je le convoque devant le tribunal de Dieu. Je le convoque devant le tribunal de Dieu. Et je fais le retour à l'envoyeur. Qu'il est mort retour dans le camp. Qu'il est mort retour dans le camp. Et que la maladie retour dans le camp. Au nom de Jésus. Je vous libère ce matin. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Dieu te délivre ce matin. La puissance de Dieu vous libère ce matin. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Recevez la puissance de Dieu. Recevez le miracle de Dieu ce matin. Reçois le miracle de Dieu. Reçois là où tu es. Arrête ce matin. La main de Dieu te touche. Une onction spéciale vient sur toi. Et la gloire de Dieu se manifeste. Dans ta vie. Dans ta vie. Le miracle de Dieu te touche. Le miracle de Dieu te touche ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Recevez votre miracle. Recevez la main de Dieu. Recevez la puissante main de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la fonction spéciale, les grandeurs, et l'option pour te rendre grand. L'option pour te rendre grand. L'option pour te rendre grand. L'option te saisir. C'est ton champ pour te positionner à la grandeur. Reçois la puissance de Dieu.